n'est que relativement vétuste. C'est une bonne surprise, tu ne trouves pas, Bob? J'ai disputé des matchs mémorables. Je me souviens que j'avais arraché la tête à un elfe dans cette pause là. Ah, c'était bon vieux temps. Est-ce que c'est bien fair play, Bob? L'une des deux équipes est manifestement plus forte que l'autre. T'as pas fini de te plaindre des fois? Le fair play et le blue ball, ça n'a rien à voir! Qu'est-ce que tu fais, Jim? Oh, rien, je me tuerais les dents, Bob. Tu te polissais l'écran, quoi? On est diffusé dans tout le monde en cabale vision haute destinée et rien n'échappe aux spectateurs. Bien que je soigne mon apparence. C'est un match crucial, Bob. Qu'est-ce que ça te fait d'assister à un match aussi important? Bon, bah la couenne, Jim. Repose-moi la question quand le terrain dégoulinera de sang. Arrête au beau fixe. Parfait pour jouer au Blood Bowl, comme qui dirait. Parfait, c'est chiant! Un ballon
par terre est un ballon dangereux. Il faut le récupérer et vite. C'est le moment de vérité. Tu portes du parfum, Jim ? Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes ? Ça s'appelle Charogne numéro 5. De meubler. À quoi tu penses, Bob ? Je me demande ce que je vais griller pour midi. Cœur d'elfe rôti ou cuisson de Helfrich à la vapeur ? Je me demande souvent à quoi ressemblerait le Blood Bowl si on enlevait le ballon. Mais ce serait la guerre, Bob. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou.
sais quoi, Jim? Il y a des pom-pom girls qui sont mieux payées que certains joueurs. Bon, c'est vrai, ça? Mais pourquoi? Ben, si les fans passent plus de temps à harluquer les cheerleaders que les joueurs de l'équipe, on va s'étonner que les sponsors leur signent des contrats en or. Le joueur se rapproche d'un coéquipier. Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. Viennent au soutien de leurs coéquipiers. Oh!
peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se... se décideront à jouer pour de bon. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Le ballon. Apparemment, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Qui vient d'entendre la cloche du dîner.
rebondit plus rapidement qu'un squig gonflé comme une baudruche. S'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Encore un. L'important n'est pas la taille, Bob. Bien sûr que si. Du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. Thank you.
récupérer le ballon. Sont tout proches. Le combat paraît inévitable.
colosse va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force ? Et bim ! Ça sent la bonne grosse empoignade! Une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps.
force, comme on dit. Se retrouver là. Déséquilibré, Bob. Faire se battre entouré. Ha!
joueur trébuchant du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Va-t-il déposséder le porteur du ballon ? C'est ça ! Le porteur du ballon est l'adversaire ! C'est une attaque aussi violente. Grosse pression sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Boum ! Headshot ! Cette espèce de... d'assister va. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus?
touche clairement le corps à corps. Il tente de rafler le ballon. Y'a plus qu'à se pencher pour ramasser le ballon. Enfin, y'a qu'à. Je suis optimiste. Le ballon est à lui. Sur le porteur. Ça se tient. Ça n'a jamais été personne de chercher à bloquer le porteur du ballon. Enfin, c'est quand même un peu le but. Meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob. Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé valser le tout dans l'embut adverse. Les arbitres ont dit que c'était parfaitement valable. Donc, touchdown. La FAE a changé les règles le lendemain.
Jericho. Je sens que ça va me plaire. L'attaquant bénéficie de soutien. Dessus et en dessous de la ceinture. Ça se passe avec une poisson mort ou quoi? Quand on cogne, il faut y mettre du cœur. Le ballon à l'équipe gagnante. Attention, ils risquent de leur revenir plus vite qu'ils ne croient. Démoniaque. Quel est le problème, Bob? Une mouche de Nurgle dans mon café!
et comme qui dirait à l'humide, Bob. Il pleut à verse. Le ballon sera descendant et le terrain complètement détrempé. On peut s'attendre à des pertes de balles et à des cadavres en pagaille. Il a pris racine. Quand on tente ce coup-là, Jim. J'ai l'impression qu'il a l'air un peu sonné. Et enfin, la vie continue, comme on dit. La sienne, bien sûr. Choisis joueur aussi. Ça, c'est du label qualité Bob certifié.
surtout que ça tue. Mais c'est révoltant. À qui le dis-tu, mon babounet? Marcher sur la tête de ce joueur, c'est tout sauf... Mais non! Ce qui me révolte, c'est que l'arbitre ait expulsé quelqu'un. Utilisez le ballon. Ça sent la bonne grosse empoignade! C'est le moment de vérité! Parfois, dans un duel esprit contre muscle, c'est l'esprit qui l'emporte. En lui gratouillant le ventre ou le menton. Ha!
hurt you! Ah!
automatiquement la même taille que son adversaire. J'entraînais des semaines pour réussir à m'enlever de cette manière. Mais la gravité était trop forte pour moi. Thank you.
découvert cette technique, Jim. À chaque fois que je chantais, tout un pan du stade s'effondrait en tuant les fans. C'était drôle. Dessous de la ceinture. Baiser de Neffel. S'est réveillé à temps pour le down suivant. C'est un drôle de rêve qu'ils doivent faire. Ils ont des joueurs de moins. C'est mission impossible. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Le sorcier du studio m'en a promis au moins un avant le coup de sifflet final.
City, où? Ce joueur préfère se battre entouré. Ne vaudrait-il pas mieux esquiver que de chercher à bloquer, Bob? Ah non, Jim! Frappez d'abord, courez ensuite! Ça a toujours été ma devise! Sans qu'on va se marrer! Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer! Il vaudrait mieux qu'il refile le ballon! Maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur! Le porteur risque le plaquage. C'est le genre de situation que j'adore. Avec son filet de bave. Je ne sais pas. Et est-ce que tu vois? Oh non. Bah, c'est pas banal, ça. Les joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Deux gros balourds qui salivent vont vous tomber dessus. Ça peut faire très mal.
rattraper son retard dans peu de temps qui reste, je veux bien manger le ballon. Si j'étais mis KO, est-ce que je voudrais revenir dans le match? Ça m'étonnerait. Avoir des joueurs en moins sur un terrain de Blood Bowl, c'est pas drôle, mais alors, pas du tout. L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite. Ne serait-ce point Lord Borak que je vois là-bas au premier rang? Mais c'est bien lui, Jim! Hé! Borak! Va te faire, tête de pioche! L'attaquant bénéficie de soutien!
Le saviez-vous? Le trophée du magazine Letpic a été fabriqué dans les forges infernales sous la cité de Zarnagrund. Beaucoup d'esclaves en sont morts, mais c'était eux qui avaient le meilleur devis.